De quoi? Je vais les voir en l'air. Ah. Et il a entendu, mon mari arrive dans 3, 2... Ah bah non, il est pas là. Raté. Si, il est là. C'était le 0. Bref. Rest in peace. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Aujourd'hui ça va être un vlog travaux. Nous sommes le 11 juin et on a décidé de refaire la chambre du haut, celle qui est occupée actuellement par Miss Andrea qui est juste ici. Voilà, donc Andrea qui est ma nièce. Hein. Et donc voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait refaire sa chambre. Du coup je vais vous montrer ce à quoi elle ressemble actuellement et puis ce à quoi elle va ressembler. A tout de suite. Voici la chambre de ma nièce et je vais sortir. C'est moi ! N'importe quoi. Donc comme vous remarquerez, il n'y a qu'une partie du couloir qui a été faite. Hein. Là, absolument pas du tout. Mais on a déjà fait une bonne partie. Alors. Oh la vache. D'accord. Donc voilà, donc je vais vous la montrer. Là, comme ça sera mieux. Tu veux rester caché derrière les... Bon, d'accord. Donc voilà, donc c'est la chambre qui se présente comme ceci. Donc il y a un petit balcon et elle est comme ça. Donc là, on a double placard et ici, je crois que c'est un autre placard, mais bref, pas utilisé. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va enlever tout le bleu parce que le bleu, je l'ai en horreur. Donc le bleu là va être blanc, le mur du fond va être blanc. Les portes ici vont être aussi toutes blanches et il y a juste ce mur là qui va être peint en terracotta. Voilà, après je vais faire franchement moi je vais juste me dire un truc. Est-ce que tu vas assumer quand la vidéo elle va sortir? Tu vas assumer ou pas? Dommage. Oh. Faire cette chambre là en mode terracotta, blanc et beaucoup de macramé. Ça va être vraiment le thème de la chambre. Donc voilà, on va aller changer. Que quand, Pierre? Panacotta, je t'entends dire. Panacotta, non. Ça va bien, j'ai dit terracotta. J'ai dit panacotta. J'ai pas fait la cuisson. Bah non. En mode, j'ai entendu panacotta, j'ai fait, tiens, fais la cuisson. Bah non, ok. Petit bisou. Le matelas. Il ne reste plus que la commode, quoique même la commode, je crois qu'on va la mettre au milieu, on va la protéger. Et donc, un jour, le sol changera, puisque c'est très moche, mais pas tout de suite, parce qu'on n'a ni le temps, ni le temps. Donc voilà, donc actuellement, ça va se présenter comme ça. On va aller chercher la peinture, on va attendre le petit Rémi, et puis on va s'y mettre. Hein ? Et là... Donc, il y a notre forêt. Et puis, là, on a clôturé pour les chiens, forcément, pour pas qu'ils aillent trop loin. Ça y est, le mode travaux est activé. C'est parti! On a commencé et on a enfin le refort qui arrive. T'es dans la chambre ? Oui ? Oh ! C'est pour moi ? Oui. C'est vrai ? Ah, c'est trop mignon. Attends, je coupe. Je veux déranger. Mais non, mais donc voilà, donc ça c'est Rémi, c'est le copain d'Andrea. Et du coup, qui nous a fait un beau cadeau avec ces super roses magnifiques, roses éternelles. Mmh. Ah, je vais l'inviter plus souvent. et donc voilà, bon bah c'est parti pour le chantier. Donc voilà, j'ai commencé un peu terracotta en bas, je vais voir ce que ça donne. Et tout le reste, on repeint en blanc. C'est parti? Allez! Go! We'll be right back.
d'un franc. Avec le petit... Avec la main, tu sais, qui va trop bien. Bon, on avance un peu. Oh, mon général. Ils sont... J'en peux plus. Bon, du coup, pour les avancées, bah ça avance, hein. Alors, c'est dommage, on voit pas très bien la couleur, j'ai l'impression que ça fait orange. Tu me gênes. Bon, en même temps, c'est un terracotta. Hop, voilà, donc là, je poursuis, je vais essayer de finir le mur là, la plinthe, faut qu'elle soit blanche. On finit ça, et ça avance, après, au moins, la première couche est passée. Oh, ça change de fou, j'en ai marre du bleu. J'ai trop hâte de finir. C'est une pause syndicale. Oh, mon bébé! Oh, coucou! Dis bonjour, coucou. Oh. Non, non, c'est pas pour toi, ça. Je crois que je l'ai réveillé de sa sieste. C'est pas moi, c'est Rémi. Regarde. Non, non, non. Coucou! Ah, tu peux zoomer? Ouais. Oh non, donne-lui. Et tu peux zoomer, ouais. Bon, donc voilà. Donc là, ça y est, j'ai peint la poutre en blanc. Franchement, ça change tout. Ça commence à carrément bien donner. Je suis trop, trop contente. Il faut que je repasse sur les portes pour terminer. Rémi a bientôt terminé les deux murs. Tu n'as pas fait l'eau, Rémi ? Non, je vais attaquer l'eau. Et faire un chinois. C'est super. Oh la vache. Au revoir les amis. Et donc voilà, bah, ça avance super bien et je suis trop contente. La couleur est magnifique, c'est un beau terracotta. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à faire les sols. Hein, mon cœur. Ouais, c'est un beau bon terracotta. Ça sera à faire prochainement, mais franchement, je suis contente. Voilà, donc on arrive en fin de journée, il va être 18h30. Ça y est, c'est la fin des travaux, en tout cas peut-être pour aujourd'hui. Ça a bien avancé, là je vous montre, il y a tout le mur du fond qui est fait, là je viens de passer un coup sur les portes. Il va me rester la porte juste là à finir. Hop, voilà, je vais peut-être repasser un petit coup aussi sur le mur là, histoire qu'il soit bien propre. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on a quand même pas mal de travaux à faire là, mais ça sera pour bien plus tard parce que... pas le temps. Mais du coup, il y aura encore d'autres vlogs travaux. Et puis en attendant, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'adore les vlogs travaux, donc j'espère que ça vous plaît. Et puis bah, du coup, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao. Voilà juste pour le petit aperçu. Vite fait, on a... encore rien fait, mais au moins on a remis le lit et tout. Et du coup, on peut vraiment voir toute la chambre, comment elle va être. Il n'y a aucune déco de fête encore, mais ça ne serait tardé. Donc voilà, je suis super contente. Ça rend vraiment ce que je voulais.